73-51, des stations à fréquence de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. À côté, circulation dans le sens de la descente, rocade extérieure, ça commence à bien se charger. Bonne journée à tous! Ah, c'est très très QRP là de mon côté, la station, les motions 13-51, bonne journée à toi. Hein, que la petite voix du matin, ça passe pas bien fort. Ah, faut dire qu'il est, il est quoi, 6h moins le quart, 6h moins 10, n'importe quoi, 7h moins le quart, 7h moins 10. Alors, les stations entre la sortie 1 et le pont d'Aquitaine, c'est pas mal saturé. Là. Sortie 2, pardon, entre la sortie 2, la sortie Lormont et le pont d'Aquitaine, là, ça sature de plus en plus. Et moi, le sifflement qui revient. Ah, c'est... Ils sont loin eux là, ils sont loin. C'est vrai. Ah ouais. Mon fils là qui travaille pour les sous-marins, enfin lui en tant qu'ingénieur, enfin élève ingénieur, j'aimerais bien aller dessus, mais c'est pas évident en tant que qu'alternant, qu'apprenti en fait d'aller dessus. Ouais, ouais, après faut peut-être, les mecs après une fois qu'ils vont bouffer quoi. Il doit faire aussi un stage à l'étranger, il aimerait bien y aller avec, tu vois, aller au Brésil par exemple, parce qu'on vend des sous-marins au Brésil. Et lui, c'est pas évident, quoi, faut qu'il arrive à justifier pourquoi il m'envoie là-bas, parce que j'ai un travail à faire. Parce que s'il y allait, je paierais le vol, je paierais tout, quoi, le logement, tout, quoi. Ouais, c'est royal, ça, ouais. Il faut qu'il fasse un stage à l'étranger, donc il va voir comment ça se passe. Il y a des sous-traitants aussi, on peut faire. Ah ouais, ça doit être pas mal.
non, c'est la 1070, c'est ça. Bah, c'est plus loin. Par contre, dans le parc là, plus loin, là, juste derrière une maison, c'est un radar. Il faut bien rouler à 50. Ah ouais, je me rappelle. En fait, j'ai beaucoup fait cette route à une époque. C'est juste en face de Bassin qu'on prend à droite d'ailleurs. Ouais, on prend à droite là et après on arrive. On va arriver à l'instant à 50 de la 4. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas pourquoi la 19 ça m'a mis un doute, le numéro 19 ça me semble, mais ça ne veut pas te parler. Ah, pour des convois exceptionnels, c'est quand même pas mal le niveau porté. J'en ai vu, au bout de 1 ou 2 km c'était fini. Avant sauter à gauche. Bien souvent, il y en a qui mettent des micro-antennes. Ah bon, ils sont dans le cas. Alors forcément. Je suis sûr que je viens sauter. Ou l'antenne bien plaquée derrière la cabine. Ouais, moi je crois qu'il c'est pire. Ils vont utiliser ça dans des verres à vitel. Après, je vois se servir à l'écart. Le radar il est pas loin. Il y a du monde. Ça doit être d'autres convois exceptionnels. La plupart sont entre le 1 et le 19. La grosse majorité se trouve là. Ah, là j'ai entendu un truc. Je sais plus où j'étais tout à l'heure. Faire un petit tour à l'étage. Ouais, il y a un peu de propague. Elle revient de plus en plus là. Il est 17h10. Oh, ces jours-ci, il y a eu. Et pour l'avoir entendu en plus, il y a eu le Québec, le Canada qui est passé. C'est une station de Bordeaux là, qui l'a attrapé, j'étais en écoute derrière. Donc c'est bon ça. Il y en a qui vont pouvoir commencer à fuiter dans directive de ce côté-là.
Il y a le groupe québécois des Tannons qui sont habituellement sur cette fréquence, mais bon là, ça passe pas. Bon, c'est assez timide, je redescends. Sur les stations fréquences qui sont sur la NSL 89 en direction de Bordeaux, arrivé dans le dernier virage là, qui est limité à 90 là, pour aller sur la sortie 26, ça bouchonne pas mal, ça bouchonne dur. Dandy, on te rappelle. Oui, Daniel, les 73-51, je suis à sur la salle 89, là, à la hauteur de Artigues. Bon, mais je te signale que tu n'es pas arrivé à bon port, hein. Dès que tu arriveras à la sortie Artigues, là, direction la rocade, pour pas de fond d'Aquitaine, c'est bouché. Voilà, moi je suis au niveau de Bordeaux-Lac, et c'est le bordel complet. Ok, d'accord. Bon, j'ai encore une heure hein, devant moi. je me laisse de la marge, heureusement. Quand même. Ouais, je pars quand même là, pour attaquer en nuit comme ça, je pars quand même 1h45 avant hein, pour 65 km. Hein. Au secours. Hein. Ah oui, non, mais là, on voit que les gens ont bien repris. Hein. Donc, si tu es en train de faire une petite vidéo, mais je vais en profiter de saluer tous les Kilomike, voilà, toute la famille Kilomike et ainsi que tous les amis de la route. Voilà, de Daniel Santor, kilomètre 3306, sur la rocade bordelaise, au niveau de la sortie 5, voilà Rémi, je suis au niveau de la sortie 5, Bordeaux-Frette, voilà, et j'y suis dedans aussi, et en plus je monte sur le Mérignac. Oh putain, au secours. Oui, affirmatif, oui, je suis en train de faire une vidéo. Et t'as eu raison de dire ça pour commencer, ce qui fait que j'ai de suite sauté sur le volume là, pour mettre un peu plus fort. Ok, voilà. Ah, j'ai dit, j'ai essayé de prendre le micro pour t'écouter comme tu m'avais dit que tu serais là pendant 3 jours sur Mérignac là. J'ai dit bon mais écoute, je vais prendre le micro, je vais essayer de l'avoir et puis je savais que tu étais derrière. Ok, ouais, 3 nuits, je me suis un petit peu trompé. Oui, ok pour hier soir, ok pour ce soir. Après, je reprends jeudi soir. Voilà, mêmes horaires, 18h30, 6h30. Donc, j'ai juste demain après-midi là, de repos. Ok, d'accord. Ben, jeudi, je travaille pas. Je travaille vendredi sur la bread. Hein. Ok, d'accord. Mais là, j'ai un sifflement derrière qui me fait chier, quoi. J'ai un truc intempestif, là, j'ai toujours pas eu le temps de voir ça derrière, donc si t'entends siffler, là, c'est pas bien grave. Hein. J'ai une connerie, là, qui s'affiche, là, qui correspond au tossimètre automatique, là, sur l'écran, mais je vois pas le rapport. Donc, j'ai peut-être un problème de masse quelque part, je sais pas, faudra que je vois ça. Ok, d'accord pour jeudi. Bon, bah, pas de problème, c'est pas grave. Il y aura d'autres fois de toute façon. Ok, bon, après la sortie, entre la 5 et la 6, là, ça a l'air de se dégager. Hein. Voilà, ça se dégage, Rémi, là, ça, j'avance un peu plus vite. Là. Je suis à 7 kilos, donc voilà, ça se dégage un petit peu après la 7. Hein. Voilà, ok, là je travaille demain matin, là-bas, et puis vendredi, demain et vendredi sur la bread. Ok, d'accord, ben, moi de mon côté je suis à 3 kilos, hein. Enfin quand ça veut bien. Ok, bon, ben écoute, voilà. Pour les news là, du Radio Club, on n'a toujours pas le bâtiment. Pour l'instant, là, la mairie de Saint-Jean-d'Iac nous prête un petit local. Donc on fait avec
Ok, d'accord. J'ai commencé à regarder un petit peu là sur 2022 là, les news du côté des salons et tout ça. C'est encore assez frileux. Hein. Bon, j'ai trouvé quelques petits trucs comme ça, mais pas grand chose. Bon, le peu que j'ai trouvé, je l'ai ajouté à l'agenda du forum. J'ai pas dit du groupe Facebook, hein, j'ai bien dit du forum. Mais bon, ça va pas péter bien loin pour le moment. Quoi. C'est je scrute, je fouille, je regarde sur les anciennes dates que j'ai sur le forum pour aller pour retourner sur les liens sources et tout pour fouiller. Là, je suis en train de faire un vrai travail de fourmi en ce moment là dans ce sens. Voilà, c'est pas évident. Ok, d'accord. Oui, ben écoute, fouille. Voilà, parce que nous, après, par la suite, il se peut que le Radio Club fasse une prochaine sortie au sein du Radio Club. Hein. Et ça, je te tiens au courant. Ok, d'accord. J'ai regardé aussi, bon, c'est encore trop tôt, mais j'ai regardé aussi là pour Radio Broc. J'ai rien vu pour le moment. Hein. C'est là sur les différents sites où je suis passé là cette nuit là sur les sites internet où je suis passé cette nuit, c'est je bégaye, Hachi, c'est tout le monde est assez frileux là en ce moment là pour s'avancer. En marque, on n'est que fin septembre, donc vas-y, de toute façon, si c'est maintenant hein, qu'ils doivent se bouger pour ça. Hein. Là je suis en train de conduire, de réfléchir à ce que je vais dire et de parler. Ouh, ça fait trop pour moi d'un seul coup. Tiens, ça bouchonne de mon côté aussi, là j'arrive sur la rocade, hein, sortie 26. Et ouais, donc je disais donc que c'est effectivement là sur ce dernier trimestre hein, que les radioamateurs doivent se décider hein, pour les différents salons. Mais c'est vrai que là, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ah, je pense que je t'ai perdu, là. Ah, s'il est derrière. Compose ce qu'il dit. Ok, ah, il me fait chier ce truc là qui siffle là de mon côté. Ouais, j'ai compris juste la fin, c'est tout. Hein. Là, tout le reste était complètement noyé dans les QM que j'ai en même temps sur la rocade. Bon, c'est pas grave, si toi des fois tu arrives encore à m'entendre. Je vais t'envoyer les bonnes 73-51, je ne vais pas te faire répéter. Si tout à l'heure tu ne m'as pas entendu, bah, de toute façon tu l'auras dans la vidéo. Hachi 3 coups. Et je te dis bonne soirée, à plus, parce que là je t'ai complètement perdu. Hein. Ok, Denis. Ah. Ok, c'est bien passé. Quoique, après, je vais peut-être pouvoir te rechoper là dès que je serai sur le pont d'Aquitaine. Ok, on verra bien tout à l'heure. Ok, ben. J'ai pas compris. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors côté circulation sur la rocade est-ouest, c'est pas mal le bazar. Sur le pont d'Aquitaine, dans le sens de la descente, c'est assez cuéro.
dans le sens de la montée, il y a du monde, mais ça roule quand même. Daniel, tu es toujours derrière ? Attention Daniel pour Dindy 33 qui t'appelle. Bon ben là ça passe plus, bon c'est pas grave. L'idéal, ce serait de pouvoir s'arrêter sur le pont d'Aquitaine pour faire une petite expédition depuis le haut. Alors le pont d'Aquitaine étant métallique plus le fleuve en dessous, alors là c'est du bonheur, c'est du pur bonheur. CQO CQDX, tiens j'ai pas le sifflement là. CQO CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi qui lance appel sur la fréquence kilomètre en mobile depuis le sud-ouest de France, la rocade de Bordeaux. Ah ça c'est. Ça, c'est l'activité qu'il doit y avoir en AMFM, quelque part par là. CQO CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux. Ah, il y a un pont un peu plus loin, là. Ça va être bon avec la flotte en dessous. Enfin, on verra bien. CQO CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dindy 33 lance appel en mobile, depuis le sud-ouest de France, la rocade de Bordeaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop l'usage de la BLU, il y a un petit bouton qui s'appelle le clarifier. Moi je l'ai ici là sur le poste. Ah, il permet d'ajuster, d'affiner plus précisément la fréquence en réception. Voilà. Si je me décale, ça donne ça.
Là aussi il y a une fréquence d'appel et on entend et on voit qu'il y a du monde derrière. C'est pas très épais mais bon. C'est bien souvent les fréquences anglaises. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand la propague est là, peu importe le mode. Dans quoi je t'aime, hein? Ah, je me suis trompé. Je croyais que j'étais en effet, mais bon ça. Je suis perdu. Je pensais que j'étais en FM, mais non, j'étais en AM. Donc oui, peu importe le mode, quand la propague est là, elle est là. Bon, rigolez pas, hein, vous autres, là, vous êtes derrière, vous êtes en fixe. Hein. Donc, c'est plus facile. Hein. En mobile, ça demande une petite gymnastique, hein, sachant que la priorité est quand même sur la route. Hein. Qui appelle son chien. If he's not there, it doesn't matter. I'll stop and listen, give me an electric if he's on your background. I could
Par rapport à ce qu'on entend, là, ce qu'on entendait tout à l'heure, là, avec les convois exceptionnels, si eux, la CIBI, c'est plus une utilisation utilitaire, là, on est complètement dans une configuration de CIBI loisirs. Ah, vu l'homologation des postes, c'est sûr qu'il serait mieux qu'on soit du côté des 40 canaux homologués. Mais bon, la pratique de la longue distance, du DX, de la BLU, se fait plus de ce côté-ci, quoi, sur les canaux supérieurs. Ah, dans le choix d'un multimode, je préférais quand même les postes à double affichage comme ça. Moi, ces postes-là, c'est des vrais couteaux suisses. Vous n'êtes pas bloqué qu'à l'affichage des canaux. Vous n'êtes pas bloqué qu'à l'affichage de la fréquence, comme c'est le cas sur les décamétriques que le radioamateur utilise, à HI3 coups. Là, vous avez les deux. Dans les appels, c'est lui précisément que je voulais sortir du lot. Et ça, ça peut se faire qu'avec le clarifère. Alors, quand il y a plusieurs stations qui appellent comme ça, tout le monde n'est pas pile poil sur la bonne fréquence. Tac, voilà. Là, je pense que je suis pas mal. Bon, envoyez un petit peu plus loin. Daniel, il doit être rendu au cuir, là, comme cela. Ouais. Ah. Je suis pas sûr. On aurait dit qu'il y a quelque chose. Non, c'est du QRM. Allez, 17h50. L'avantage avec les bouchons, comme ça, là, à cette heure-ci, c'est que je peux profiter de la radio. Il y a toujours un bon côté quand on est en mobile, comme ça. Ah. Charlie Tango, 3857, Northwest UK England call.
Bon, là, on est en FM. Ça s'entend qu'on est en FM. Ah ouais, mais non, là, je peux plus, là. Je suis pas contre la FM. Seulement, c'est criard. Et au niveau du bruit de fond. Il y a le squatch. Il y a évidemment le squatch qui est là. Mais quand c'est du DXFM, comme c'est le cas là, ben, l'usage du squatch, c'est compliqué. Bon, qui ne tente rien à rien, des fois qui tente à rien non plus. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en direction du Canada. Attention le groupe des Tannants, attention le Canada, attention le groupe des Tannants, pour 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Bordeaux. Il y a quelque chose, mais je suis pas sûr que ce soit du bon côté. CQO, CQO, CQDX. Appel en direction du Québec. Appel en direction du Canada, du groupe des Tannants. Pour 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 vous lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, Bordeaux. Bon, normalement, QRZ local, on le dit pas en DX. On donne que l'indicatif. Et je suis sur leur groupe. Donc ils me connaissent. C'est pour ça que je rajoute le QRZ avec. J'y travaille même pas mal sur leur groupe. Hachis trois coups. Bon, ben là, c'est pas grave, il n'y a personne. Du moins, ça passe pas. Alors la propagella, mais sur cette fréquence d'appel, là pour le coup c'est le trou, c'est le vide. Alors c'est trompeur parce que la propagella est là.